tous et bienvenue dans l'épisode 51 des figurines de The CNS, avant-dernier épisode de la saison 2. Et oui, il m'en reste encore un à tourner, et ensuite ce sera la pause de l'été avant la reprise en septembre. Aujourd'hui dans cet épisode, nous allons voir Death Mask, Masque de Mort, le Chevalier d'Or du Cancer dans son armure Soul of Gold en version officielle Bandai. Midclos EX sorti en 2016 et que je n'avais pas acheté jusque-là puisque bah voilà, je n'étais pas parti pour faire les officiels, ni même cette armure ne m'intéressait pas plus que ça. Je lui ai toujours trouvé un côté un peu trop tortueux. Et puis, chemin faisant, on évolue. J'étais surtout très intéressé par son visage normal, qui enfin adapte vraiment le visage qu'a Masque de Mort, Death Mask, dans la partie sanctuaire avec des grandes pupilles, un côté beau gosse, visage qui n'avait jusqu'à maintenant pas été adapté en version EX, puisque la Midclos Gold reprenait plutôt le visage qu'avait Death Mask à partir de la partie Hades, avec des plus petites pupilles, un côté un peu plus cabotin. Et bien là, étrangement, Bandai a adapté le visage normal de Death Mask, et du coup, bah voilà, je le voulais surtout en fait pour avoir le visage pour l'équiper sur la version Gold, ce que j'ai d'ores et déjà fait. Donc vous ne verrez pas le visage normal lorsque je vais vous montrer les blisters, mais je vous insérerai un petit plan de la figurine Gold EX montée avec ce visage dans ma vitrine pour que vous voyez le rendu. Je ne vous la montre pas directement parce que voilà, la position fait qu'elle est bloquée dans la vitrine, mais voilà, vous allez le voir d'ici quelques instants. Donc voilà, et puis c'était la dernière fois que j'ai vu la vidéo de mon ami collectionneur Anthony Saga, qui a fait une vidéo très belle et que je vous invite à regarder sur ce Death Mask Soul of Gold. Ça m'a quand même fait hésiter. Alors bien que voilà, l'armure ne me plaisait pas plus que ça, et encore qu'aujourd'hui que je la monte, voilà, après tout ce temps, j'ai quand même reçu il y a plus d'un mois cette figurine, enfin oui quasiment, et je n'avais encore pas monté jusqu'à maintenant, et l'impatience a fini par grandir, et j'ai hâte d'avoir le rendu de cette Soul of Gold, donc voilà, chemin faisant, on évolue. Voilà, alors, face avant de la boîte. Alors, on est sur les formats de boîte des débuts des SOG, donc pas carré, un peu rectangulaire, mais bien moins large que ce qui va être par la suite, hein, par exemple bien moins large que pour le Aiolos SOG, par exemple, le dernier Soul of Gold que je vous avais fait jusqu'à maintenant, donc qui nous présente tout d'abord le personnage, et à l'arrière-plan, le totem en version stylisée. Sur le côté, nous avons Death Mask. Alors là, ils ont reproduit en fait la posture classique de garde de Death Mask. Je vous renvoie à ma vidéo de la review du Gold, où je reproduisais cette posture, qui est une posture que Death Mask prend dans la série classique quand il affronte Shiryu. Donc là, ils l'ont reproduite. Voilà, on le voit avec donc ces espèces d'ailes qui sont en fait les pattes de crabe. C'est assez intéressant comme design. Et sur l'autre côté, le totem, le beau totem du cancer que je vais monter. Voilà, je vous le montrerai et je le présenterai, en l'occurrence, parce que je l'aime bien, et puis c'était l'occasion aussi de le faire. À l'arrière, Death Mask en train de faire le Sekishiki Mekai A. Pose classique, moins réussie que celle qu'il a à l'arrière de la boîte de la Gold EX. Là, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne avec le bras. Pas assez haut, bon bref, pose pas terrible. Là, une pose un peu plus sympathique où Death Mask se tient le poing. Pose qu'avait bien rendu d'ailleurs Anthony Saga dans sa vidéo. Je vous invite à regarder, je ne referai pas cette pose, j'essaierai de faire autre chose. On voit le choix des visages, donc visage hurlant, visage souriant, habituel hein, avec les versions de Death Mask, visage neutre aux yeux fermés, et visage aux yeux fermés souriant. Voilà, donc du classique pour les SOG, mais on apprécie tout de même. Donc voilà pour le tour de la boîte, on va passer maintenant, et je vous montre le dessus, le dessous, hein. Bon bref, rien non plus d'extraordinaire. On a comme à l'accoutumée trois blisters. Le premier, le blister principal, nous présente le personnage de Death Mask. Le corset, les genouillères, les deux protège-mains, les avant-bras sur lesquels on doit rajouter cette partie-là,
les sous-épaulettes, les grandes épaulettes, les protèges biceps, les cuissardes et les jambières. Voilà pour ce premier blister. Le second contient tout simplement les différentes mains. Alors on a 1, 2, 3, 4 paires de mains, plus une main, toujours la même, la main, je ne me trompe pas, la main droite pour faire le Sekishiki Mekai A, la base transparente pour maintenir le totem dans sa position un peu élancée, les différents visages, je vais vous les montrer. Alors ne vous étonnez pas, regardez ce visage-là au milieu, eh bien, c'est le visage normal, souriant, de la version Gold EX Bandai. Tout simplement parce que quand j'ai reçu la figurine, j'ai récupéré le visage neutre pour le mettre sur le Gold EX, et le Gold EX avait ce visage-là. Et plutôt que d'aller rechercher ma boîte du Gold EX, bah, j'ai tout simplement rangé ce visage-là dedans. C'est pour cela qu'il y a ce visage. On peut observer, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, que le teint de peau, comme ce que Bandai avait fait pour la version sur pli, est plus sombre, respecte un peu mieux le teint de Sicilien de Death Mask, donc on est dans cette continuité là. Différents visages, la chevelure pour le casque, deux grandes épaules qui vont servir au totem, les pinces du totem, ça c'est la pièce je pense pour le dos qui servira à mettre les pattes de crabe, la jupette, voilà, voilà pour le deuxième blister, et le dernier blister contient l'énorme, regardez ça, gigantesque base totem qui représente le crabe avec les pattes, donc on devra récupérer pour faire les ailes, là elles sont déjà mises dessus. On a ici le torse et la pièce du dos, et le casque en fait déjà intégré au totem. Voilà, et bien écoutez les amis, comme à l'habitude, je sors la figurine pour préparer le montage, et on va se retrouver avec le totem, puisque d'abord je vais monter le totem avant toute chose, donc on se retrouve en fait avec le totem, à tout de suite. Et avant toute chose, j'oublie toujours de vous montrer qu'on a la notice SOG. Voilà, la belle notice SOG. Alors cette figurine m'appartient, hein, je l'ai achetée d'occasion, mais elle est comme neuve, à Jean-Philippe Vasseur, donc dédicace à Jean-Philippe Vasseur, collectionneur qui m'a revendu cette pièce pour un excellent prix, je l'ai eu très peu cher, voilà, comme j'avais déjà dit pour Ayoros SOG, ben, attendre un petit peu pour se procurer les SOG et les acheter d'occasion, c'est peut-être la meilleure chose à faire pour les avoir à prix réduit. Mais voilà, je voulais juste vous remontrer la carte, parce que j'aime bien ces petites cartes, puis finalement je commence à vraiment en avoir de plus en plus, vu que je me mets à prendre pas mal d'officiels. Donc maintenant, en fait, parmi les SOG, ne me manquera plus que Doko et Camus. Camus, je commence à le dire au passé, j'avais vraiment espoir que Great Toys finisse par sortir sa version. Bon, si c'est jamais le cas, je sais pas. Je sais pas si je compléterai les SOG. Doko est trop cher, donc à voir. Peut-être que plus tard, je ferai comme j'ai fait là, si quelqu'un finit par le revendre pas trop cher. Peut-être que je compléterai. Et quant à Camus, bah, malgré tout, j'ai des réserves toujours vis-à-vis des ailes, comme je vous le disais. La version CS modèle, bof. Bon, on verra, c'est pas une priorité en tout cas. Le Death Mask, comme je vous l'ai expliqué, je voulais vraiment la version officielle pour, avant toute chose, pour son visage, magnifique. Et du coup, bah voilà, après j'ai la version SOG qui je vais faire une place, mais c'était pas une priorité, hein, je vais y revenir après. Donc voilà la carte. Allez, on se retrouve tout de suite avec le totem, à tout de suite. De retour avec le totem du cancer Soul of Gold monté. Pas de difficulté particulière, le totem se monte assez rapidement, il est relativement stable, il faut bien entendu jouer quand même un petit peu avec les pattes de crabe, certaines sont plus délicates à enfoncer que d'autres, mais dans l'ensemble ça se réalise vraiment sans vraie difficulté. Bah, très très beau rendu bien entendu, hein. C'est pas mon préféré, mais il a quand même un aspect, voilà, quand même assez sympathique. À noter quand même qu'il y a énormément de pièces en fait qu'il n'est pas nécessaire pour obtenir le rendu de maître, parce qu'en fait vous avez notamment par exemple la taille de guêpe ou des petits morceaux, les mains, etc. qui se cachent sous cette partie là, et bah, en fait comme vous la remettez par dessus, ça ne sert à rien de les mettre sur le totem, ce que bah, je n'ai pas fait moi pour la peine, hein.
quand on peut éviter de manipuler des pièces, autant le faire. Et voilà, donc rendu très sympathique pour le totem du cancer Soul of Gold. Et voilà, mais donc maintenant on va pouvoir passer à la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire le montage sur le personnage. A tout de suite les amis. Et nous revoilà après avoir vu ensemble le magnifique totem SOG du cancer, prêt à attaquer le montage sur le personnage. C'est ainsi qu'il va terminer dans ma vitrine. Alors, je vous l'ai sorti, mis en pré-pause, hein, comme d'habitude. On va regarder tout d'abord le magnifique visage souriant de Deathmask. Regardez. Donc là, voilà, on a vraiment l'apothéose. Hein. Dans cette vidéo, je vous montrerai un petit comparatif, alors pas avec la version Gold. La version Gold, je vais vous la faire apparaître, tiens, d'ailleurs. Allez, j'en profite. Voilà, je vous fais apparaître la version Gold en vitrine avec le visage Soul of Gold, hein, c'est le visage Soul of Gold, hein, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, qui est maintenant sur la figurine. Pour ceux qui ont vraiment la version avec le visage classique, regardez le gain, le level up opéré. C'est vraiment beaucoup beaucoup plus proche de l'animé, c'est beaucoup plus beau, et rien que pour ça pratiquement l'achat de cette version SOG est nécessaire. Voilà, en tout cas je suis vraiment content. Voilà, donc on revient maintenant à notre version SOG avec le visage lui souriant, donc qu'il aura pour le montage. La sculpture des cheveux, elle n'a pas évolué, hein, vraiment c'est le visage, hein, qui est différent, mais très beau, très caractérisé, avec des pupilles plus grandes en fait. Hein. C'est subtil, mais ça fait toute la différence, en tout cas pour moi. On a quelque chose de beaucoup beaucoup plus fidèle au style Araki de la série des années 80. Voilà. Alors par contre, maintenant on va passer à la rigidité. Si les jambes, ça va. Ce bras-là, ça va. Ici, voilà, j'ai une épaule qui est quand même pas très souple. Très très souple, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'arriverai quand même à obtenir quelque chose, mais il semble que Deathmask soit constamment maudit dans ses versions figurines EX, puisqu'il a toujours un défaut quelque part. Mon surplis, ce sont les jambes, le gold pareil, et lui, bon bah lui les jambes ça va, on va dire que c'est quand même le point le plus important, mais le bras ici est souple, malheureusement. Allez, c'est parti, pas perdre trop de temps. Dans cette review, je ne vais pas vous reparler du parcours du personnage, puisque je l'avais déjà fait, c'est déjà la troisième vidéo que je fais sur un Deathmask. J'ai déjà parlé du parcours du personnage en long et en large dans la vidéo sur le Gold, début de saison 2 justement. Je vous renvoie à cette vidéo pour plus de détails et pour plus d'idées de pose d'ailleurs. Donc là, je ne vais pas en reparler. Voilà, j'ai un peu fait le tour de la question, je pense. Puis j'aime pas redire les mêmes informations. Donc voilà, on va se concentrer un peu sur le montage. Puis au fur et à mesure de ce qui me vient, je vous l'évoquerai. Je voulais vous dire que merci déjà pour les retours qu'il y a eu sur la vidéo de Minos EX, hein, que j'ai publiée. Donc à l'heure où j'écris, où j'enregistre en fait, elle a été publiée 2 jours, et en 2 jours elle est déjà grimpée très 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 vite, un grand nombre de vues. Donc ouais, à croire que vous attendiez, parce que bon, la vidéo que j'avais fait sur Aiolos juste avant, figurine qui n'était certes pas d'actualité, j'ai l'impression quand même qu'il y a une corrélation entre l'engouement par rapport au nombre de vues et l'actualité. J'ai toujours remarqué que quand les figurines que je traitais étaient en rapport avec l'actualité, forcément le nombre de vues était bien plus grand qu'en traitant des figurines plus anciennes. Où là, on finit toujours par atteindre un nombre de vues. Et je cherche une genouillère petite, en fait il n'y en a pas, il faut finir les grandes directement. Et donc là, oui, la vidéo sur Minos, visiblement, en 2 jours, a déjà atteint un nombre de vues assez élevé. Alors, tout est, quand je dis assez élevé, c'est par rapport à la chaîne, hein, bien entendu. C'est pas dans l'absolu. Mais voilà. Donc, bah, merci. Puis, j'ai eu beaucoup de commentaires, donc ça me fait plaisir. J'ai encore pas eu le temps, d'ailleurs, de répondre à tout le monde. C'est vrai que maintenant, je groupe, en fait. J'attends toujours quelques jours avant de répondre, histoire de pouvoir répondre à tout le monde d'un coup, quoi. Parce que ça... Je ne vais pas m'en plaindre, mais ça devient, comme il y a pas mal de commentaires, voilà. Puis je mets vraiment un point d'honneur à répondre à tout le monde, parce que ça me fait plaisir d'avoir un retour aussi sur les vidéos. Je vous montre un peu le travail de sculpture. Alors,
L'armure d'or du cancer est mon armure d'or préférée. L'armure SOG, ce sera pas le cas. Parce que, bon, après, ils sont allés vraiment à fond sur le côté torturé. Généralement, ils mettent des petites espèces d'arabesques avec des pointes. C'est très joli, en tout cas. C'est très beau. Mais ça fait un peu chargé, quand même. Enfin, c'est surtout au niveau du haut, je le trouve chargé. Et puis, peut-être un peu tassé. Alors, il y a, quand cette figurine est sortie, il y a eu deux versions alternatives en même temps. Ou quelques temps après. Donc nous avons une version faite par la marque pirate aujourd'hui décédée, et c'est peut-être pas une mauvaise chose, Athena Exclamation. Cette marque avait au moins le mérite, elle a commencé à produire les premières SOG, elle avait eu le mérite de fournir, en fait, de faire des packs ultra complets où on avait le personnage, le totem, et on avait le civil, le personnage en civil. On avait la possibilité de le mettre en civil, puisqu'on voit les golds en civil sous le gold, et ça c'était très très bien. Et les personnages en civil étaient extrêmement bien réalisés, ce qui était malheureusement pas le cas des versions en armure. On avait des corps de mauvaise qualité, des armures souvent pas terribles. Et le Death Mask, je crois que c'est la dernière qu'ils ont produit. Et en fait, ils ont fait une première version qui était vraiment d'une qualité totalement médiocre, qu'ils ont ensuite essayé de rattraper après en sortant une un peu meilleure. Mais c'était trop tard, le mal était fait et personne n'a dû acheter leur version. Personne sauf l'ami Anthony Saga qui présente sa version d'ailleurs, cette version là dans la vidéo qu'il a fait de l'officiel et dont je vous ai déjà mis le lien, donc je vous y renvoie et vous y verrez d'ailleurs que cette version là est d'une qualité aberrante. Il a mis de la pâte à fixe partout pour essayer de faire tenir à minima les pièces, et ouais, c'est une catastrophe. Visuellement déjà, je la trouvais pas très très jolie, mais alors en plus quand vous la voyez vraiment en manipulation, c'est vraiment une cata. Donc la figurine par Athena Exclamation, si tant est qu'un jour vous tombiez dessus, ne la prenez surtout pas, c'est une aberration. Donc il y a eu cette version là, et Great Toys aussi avait sorti sa version. Alors une version qui a plusieurs mérites. Alors déjà, comme c'est une Great Toys, et bien entendu elle a une sculpture un petit peu différente. Alors visuellement comme ça on les différencie pas vraiment. La Great Toys fait quand même un peu plus élancée, en tout cas que sur ce visuel. Et une conception qui est quand même différente. Alors la Great Toys, déjà, elle vous propose deux visages bonus avec la barbichette, puisque pour ceux qui ont vu Soul of Gold, vous savez que Death Mask dans Soul of Gold, au début de la série, a une barbichette. Ce qui est bizarre d'ailleurs, ça sous-entendrait que ça fait plusieurs jours qu'ils sont là, enfin, et la temporalité est gérée bizarrement, hein. Mais bon, bref, ça c'est un autre point. Et alors là, j'ouvre, le plastron s'ouvre hein, sur cette partie-là, je l'ai fait vers moi, mais le plastron était comme ça, vous l'enlevez pour pouvoir ouvrir comme ça. Et donc, eh ben, Great Toys avait reproduit les deux visages avec la barbichette, ce qui était excellent. Hein. Ce que Bandai n'a pas fait d'ailleurs, c'est un manque sur cette figurine, qu'on peut mettre au chapitre des défauts, c'est que on n'a pas le visage avec barbichette. Voilà. Enfin, ça c'est la logique de Bandai, c'est que comme Death Mask, et encore je vous dis ça, mais je crois que la première fois où il fait apparaître sa God Claws dans Soul of Gold, quand il se met en colère après que Elena ait été tuée là par, je sais, j'ai oublié le nom du God Warrior, je crois qu'il a encore la barbichette. Donc, ça se trouve, l'histoire de la fidélité, parce que Bandai se réfugie toujours derrière cet argument, hein, vous savez qu'ils n'avaient pas adapté les visages tatoués de Shura et Aphrodite parce que on ne voit pas Shura et Aphrodite avec la marque dans la série. Et du coup, ils ne nous les ont pas proposés. Bah, c'est la même raison pour laquelle ils ne proposent pas, j'imagine, le visage avec la barbichette pour Death Mask. Ça serait parce que, soi-disant, Death Mask n'apparaîtrait pas avec dans la série, ce qui est débile. Hein, c'est des économies vraiment ridicules. Et donc, la version Great Toys a le mérite. Je peux dire, avait le mérite, maintenant je crois qu'elle est très difficilement trouvable, elle n'a pas été rééditée, je pense que tous les exemplaires ont été vendus, donc vous ne pourriez plus la trouver que d'occasion. Ou alors à des prix exorbitants pour une pirate, hein. C'est-à-dire que vous la trouverez au prix de l'officiel. Bon, faut pas oublier qu'elle ne propose pas le totem. Mais donc voilà, elle avait le mérite de proposer ces visages-là, et surtout, vous allez le voir après, au niveau de la conception, elle est assez différente. Et elle a pour elle d'avoir... Au niveau de la conception des ailes, du système d'attache, je galère beaucoup avec cette petite
petit truc là. Voilà. Au niveau de la tâche des ailes, vous verrez, je vous comparerai le système, je détaillerai un peu plus. Et ben en fait c'est un système beaucoup plus travaillé en métal, alors que sur la Bandai c'est du plastique, vous voyez. Donc c'est beaucoup plus qualitatif sur la Great Toys, au niveau de cet aspect là. Par contre la version, alors pourquoi moi je n'ai pas voulu la version Great Toys? Alors déjà je l'ai pas pris à l'époque parce que j'étais pas un plus fan que ça du design de l'armure Soul of Gold du Cancer. Mais surtout parce que moi, ce qui m'intéressait le plus dans cette version, j'arrête pas de vous le dire, c'était le visage, nouveau visage offert par Bandai. Or, Great Toys, sur sa version, eh bien, a reproduit, eux, le visage normal EX, c'est-à-dire le visage d'origine de la Gold EX, qui est sympa, mais qui, du coup, est beaucoup moins bien. Et du coup, bah, c'est pour ça que moi, je l'avais pas prise. Sans compter que la Great Toys a des couleurs quand même différentes, et que globalement, ici on a quand même un doré, alors que les ailes, tout ça, on tire beaucoup plus sur le orange que sur le doré. Et je trouvais qu'il manquait d'homogénéité, enfin voilà, j'avais pas été séduit tout simplement. La différence de... Bon bah celle-ci me séduit quand même beaucoup plus. Enfin, voilà, j'avais toujours trouvé que l'officiel était quand même plus réussi malgré tout, au final, par rapport aux qualités que moi j'en attendais. Si vous êtes intéressé par le fait de voir une review de la Great Toys du Cancer SOG, il n'y en a pas eu beaucoup en version française. Il y a Braise Luffy qui en avait fait une review à l'époque. Très très bonne review d'ailleurs. Je ne sais plus pourquoi ce... Braise Luffy ne fait plus de vidéos depuis plus d'un an maintenant. J'aimais bien ses vidéos, j'aimais bien son style. C'était sympa, sans prétention, avec un côté breton sympathique. Et voilà, il avait fait une vidéo sur cette version là c'est pour ça que je peux vous donner tous les détails que je vous donne. Alors la pièce du dos ne tient pas si on met pas la partie des ailes, donc comme j'ai déjà mis les pattes sur le dispositif, je vais le mettre à la fin. Alors on a mis la main, voilà. Donc voilà, en gros, si vous êtes intéressé pour voir la vidéo de la version Great Toys, que vous aurez sûrement autant de mal à trouver un peu cher que celle-ci, finalement. Je crois que même vous aurez plus de facilité à trouver celle-ci pas chère maintenant. Parce que ça a été mon cas. J'ai juste eu besoin de demander sur ma page Facebook est-ce que quelqu'un en avait une à vendre, et voilà. Et directement, j'ai eu plusieurs propositions. Puis bah, j'ai choisi la plus intéressante. Mais voilà, je pense que vous pouvez le trouver assez facilement en occasion. À moins de 80 euros. Hein. Je l'ai eu à moins de 80 euros. Et je pense que c'est assez facile de le trouver comme ça. Donc voilà. Je profitais aussi de la vidéo, puisque en fait là, juste avant d'entamer le montage, j'étais en train de regarder la rediffusion du live de... Alors comment s'appelle-t-il en vrai? Je ne sais pas. Du barbu, de Majin Fenrir, sur YouTube en tout cas. Et de celui qui tient la chaîne Saint Seiya Midclose News, la page Facebook, une page Facebook que je pense vous connaissez tous vu son nombre élevé d'abonnés. Voilà, une page qui est très très bien, qui fut un temps réalisé des interviews de collectionneurs. D'ailleurs je lui avais proposé de m'interviewer. Il le fait plus d'ailleurs, ça, le lundi du collectionneur, je sais pas trop pourquoi. Je crois que c'est un bug de Facebook qui l'empêchait de le faire. Enfin, c'est bien qu'il essaie de le refaire sous une autre forme. Je trouvais que c'était un truc sympa à lire. Et voilà, il fait des lives régulièrement sur Facebook où il monte les figurines. Et du coup, là, je lui fais un coucou parce qu'il relaie régulièrement mes photos, mes vidéos, commente les miennes. Et puis voilà, donc quelqu'un de très sympathique. Et je regardais son live. Voilà, juste avant de monter cette figurine, je regardais. Je trouvais ça sympa, le ton un peu nonchalant avec lequel... il présentait ce montage. C'est vrai que j'ai pas souvent l'occasion, moi, de pouvoir être 2 heures d'affilée comme ça sur Facebook. Hein, vie de famille oblige, donc du coup, je ne peux pas être dans ces lives et y participer, en tout cas commenter, mais j'aime bien regarder les rediffs, je trouve ça sympa. Donc voilà, donc un petit coucou à lui et à la page Saint Seiya Midclose News, que si jamais vous ne le connaissiez pas, eh bien... allez dessus, une mine d'informations. Très sympa. Vous voyez qu'au niveau du posing, je fais au pif, hein. Enfin, c'est comme ça vient. Je monte et en même temps, j'essaye de lui donner une pose. Je trouve que c'est toujours plus sympa à l'écran. On est toujours un peu embêté avec les pieds de Death Mask. Pour les avoir vraiment à plat, c'est déjà le problème avec la version EX.
je constate qu'on a un peu la même... Enfin, quand je dis la version X, la version surpli, c'est toujours un peu le même problème ici. Par contre, je vois que les éperons ici tiennent super bien. Je pense qu'ils se détachent, parce que c'est une paillasse plastique fixée dans le pied comme à l'accoutumée, mais là, ils ne gênent pas, ils tiennent bien. Et ça, c'est déjà un beau progrès. Donc ça se monte, là, il y a toujours un côté élancé. En fait, ce que je trouve un peu dommage, moi, avec la version Gold God Cloth, là, c'est qu'en fait, on a perdu le bleu qui caractérisait si bien l'armure de Death Mask. Il y a ça aussi qui joue, le fait que je l'ai moins. Mais c'est le cœur aussi, ce côté un peu élancé, quoi. Alors, on rajoute cette pièce-là. On a une figurine très tortueuse à ne pas mettre entre toutes les mains du fait de son côté acéré. Mais bon, je pense que personne n'aura l'idée de laisser des enfants jouer avec ces figurines, hein, surtout au prix de la dite figurine. Mais voilà. Et le cache-main. Hop. Bon, comme j'ai pas grand chose à dire sur le personnage, je vais en profiter aussi pour faire d'autres dédicaces, conseils de visionnage. Alors bien entendu, je vous conseille encore et toujours la chaîne Dorfus Collection, une excellente chaîne avec un style vraiment que j'aime beaucoup et qui devient de plus en plus qualitative au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure des vidéos. Un de ces quatre, il vous présentera probablement une review de Caron de l'Aqueron, puisque je lui ai vendu l'exemplaire qui était le mien, que je vous avais présenté il y a quelques mois de cela, que j'ai fini par revendre pour pouvoir justement pouvoir acheter à la fois lui et à la fois le Sagittaire SOG. Et oui, on fait des choix, et puis finalement, ayant eu Caron, je me suis rendu compte que maintenant que je l'avais, bah voilà, le côté. J'étais content de l'avoir eu, de l'avoir manipulé, mais bon, finalement, j'avais pas plus envie que ça de le regarder. Donc j'ai décidé de le revendre, et je l'ai revendu à Orpheus Collection, donc je pense qu'il finira par vous la présenter. J'ai hâte de voir cette vidéo qu'il fera, dans son style bien à lui. Voilà. Alors sinon, j'ai... Alors je sais un peu, on n'est plus sur un sujet Saint Seiya, mais j'ai récemment vu une vidéo, une très bonne vidéo. Ah oui, alors voilà. Voilà ce que j'aime pas trop, en fait. Bon, ça passe, mais en fait, c'est le côté haut des épaules, vous voyez. Le col vient vraiment très haut, mais c'est un peu trop haut. Du coup, ça fait qu'avec son énorme casque, c'est le casque qui est vraiment disproportionné, ça va lui donner un côté chargé. On va perdre le côté élancé. Donc, je disais donc... J'ai vu une vidéo récemment, réalisée par Angelo Rain. Alors, tout le monde ne connaît pas... Enfin, je pense que des gens le connaissent, certains en bien, certains en mal. Bref, moi, je rentre pas dans cette polémique-là. Je me concentre juste sur la qualité des vidéos. Et en l'occurrence, j'ai vu une vidéo qu'il a faite, pas sur du Saint Seiya, mais sur une série à redécouvrir qui s'appelait les Visionaries. Visionaries, qui était un petit peu une espèce de... Alors, je pense pas volontaire, mais qui est sortie dans les années... Une série qui est sortie dans les années 80, avec des figurines qui étaient à la frontière des G.I. Joe, des masques et des chevaliers de Zodiac, c'est-à-dire des espèces de magiciens qui avaient des armures, on pouvait enlever que les casques, et ils avaient des hologrammes sur le torse. Et c'est des figurines qui m'avaient marqué à l'époque où elles étaient sorties, parce qu'elles me rappelaient aussi un peu Saint Seiya. Et du coup, voilà, Angelo Rain en a fait une excellente vidéo où il contextualise un petit peu tout ça. Donc, j'y ai appris pas mal de choses, et voilà, c'est une très bonne vidéo si jamais vous vous rappelez de ces figurines-là, que je vous invite à regarder. Une vidéo que j'ai vue il n'y a pas si longtemps que ça. Et comme Angelo Rain m'a fait récemment de la pub, hein, c'est aussi un échange de bons procédés que de lui en faire à mon tour. Voilà le rendu déjà, donc sans les pattes, avec le casque. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de brillance. Et oui, c'est comme souvent je dis, hein, c'est vrai que les figurines les plus controversées, quand on les a en main en vrai, on relativise un peu notre opinion. Là, de toute façon, voilà, je suis content de l'avoir. On va voir ce que ça rendra une fois qu'il y aura les pattes de crabe, mais c'est quand même joli. C'est quand même joli.
Moi, ce que j'aime moins, voilà, c'est son casque, il a ce côté Venom. Vous savez, c'est-à-dire que Venom, le symbiote, là, forme des espèces de pattes qui viennent noyer le visage, et puis quand il veut parler avec son visage normal, et ben on a c'est le symbiote qui s'écarte, et ça a ce côté-là. Je suis pratiquement sûr que c'est une des influences des concepteurs, hein, pour le casque, mais c'est vrai que le diadème du cancer est probablement ce que je préfère dans l'armure du cancer, et là, ils l'ont un peu trop dénaturé pour moi dans la version SOG. Mais bon. Voilà, c'est un design en soi, on l'aime ou on l'aime pas, c'est pas mon préféré, mais la figurine est magnifique. J'ai eu vraiment aucune difficulté, pas de soucis. Écoutez, pour la première, je vais garder une pause comme ça. J'étais parti pour faire une autre pause au départ, et puis bah finalement, on va rester là-dessus, parce que c'est ça. Bon, mon épaule est un peu gênante, hein, parce que faudra que je joue avec. Hop. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la partie finale. Et le montage sera terminé. C'est-à-dire les pattes de crabe. Donc en fait, vous avez la pièce que je vous ai montrée au début, celle-ci, et sur laquelle vous devez enlever les pattes de crabe du totem et les mettre. Alors tout est en plastique, même la pièce, là, c'est du plastique. Donc finalement, quand je disais qu'il y avait des économies à partir d'un certain stade de SOG, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y avait déjà des économies sur certaines, hein. Celle-ci fait partie des premières, et ça c'est déjà une grosse économie. C'est cette pièce-là qui, en fait, tout ça, c'est du métal, sur la version Great Toys, alors que là c'est du plastique. Tout est articulé, enfin ça, elle se bouge dans tous les sens, les pattes de crabe, et ça c'est pas mal, ça va être bien pratique pour le posing. Il faut que je vérifie que je les ai toutes... Non, mais il me semble qu'elles sont toutes... Elles sont toutes identiques, hein. Donc peu importe celle que vous mettez en premier, il n'y a pas de sens si vous voulez. Mais voilà, faut en être sûr. Donc il faut d'abord faire ça, rajouter la pièce ici, qui fait le col, mais qui ne tient pas plus que ça. Si. Voilà, elle se positionne là. Je pense, voilà, là elle est bloquée. Et venir mettre ceci pour fermer le tout. Et voilà, impeccable. Et bah, profitons-en pour regarder l'arrière. Donc c'est vrai que le fait que, voilà, contrairement à Minos que j'ai fait récemment, là où vous pouvez pas vraiment orienter dans tous les sens que vous voulez, ici vous faites ce que vous voulez, c'est quand même agréable. Alors, ouais, il est tellement... Voilà pour le rendu des ailes. Ah, la genouillère tombe. Donc, on fignole la pose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un truc comme ça, voilà. On joue un petit peu avec les pattes. Alors, c'est pas avec ça que vous allez pouvoir équilibrer la figurine, mais elles sont très légères. Elles ne la déséquilibrent pas du tout, en fait. Là, on est vraiment sur un ornement simple. Finalement, un peu comme les ailes d'Aiolia SOG. Wow, que je ne vous ai jamais montré, forcément, c'est une figurine que j'ai acquise il y a bien longtemps. À l'occasion, peut-être, ouais, que je pourrais en refaire une review. Bon, on verra ça, ça sera pour la saison 3, si jamais, mais pourquoi pas. Pourquoi pas revenir dessus à l'occasion. Bien orienter la jambe, et voilà. Impeccable. Je vous montre ça. Regardez le rendu final. Et bah écoutez, c'est très beau et ça se monte quand même sans souci. Donc très très bien. Une nouvelle pièce de plus dans la collection. Voilà les amis. Bon, et bah écoutez, on va passer à quelques pauses. Hein. Je ne sais pas ce que je vais vous faire encore. Ça va dépendre de mon imagination. Mais on enchaîne. Voilà, je vous ai fait une nouvelle pause. Bon, j'ai pas été chercher très loin. Je vous ai tout simplement mis Death Mask en position d'Athéna Exclamation. En tout cas, en support. Hein. Voilà, le côté gauche de l'Athéna Exclamation. Voilà, comme ça, ça permettait en fait tout simplement de jouer sur les articulations de la figurine et de lui donner cette pose dynamique.
Et puis je pense que c'est pas une position où on a l'habitude de voir Death Mask, hein. Je pense qu'on ne le verra jamais faire une Athena Exclamation, donc voilà, c'était aussi l'occasion de la faire. Allez, hop, on tourne, donc bon, pas de difficulté, hein. Seule difficulté, c'est les pieds, qui sont quand même pas des plus plats, hein, comme on a l'habitude avec Death Mask, donc il n'y a que ça de vraiment difficile, mais sinon... pas de problème. Figurine pour une SOG très très facile, et puis voilà, les pattes de crabe étant fines et en plastique ne déséquilibrent absolument pas la figurine et ne la gênent pas non plus, puisque on peut les orienter exactement comme on le souhaite. Pour aucun posing, elles ne pourront nous gêner. Voilà. Allez, on enchaîne avec une nouvelle pose. Voilà les amis, nouvelle pose là, que j'ai réalisée tout de suite, en fait, comme je vous parlais en vous disant que c'était intéressant d'avoir... ces pattes totalement articulées pour pouvoir faire les poses qu'on voulait, qu'elles ne gênaient pas. Ça m'a donné envie de faire une pose où justement il aurait le bras en arrière, et voilà, ça montrerait qu'on peut vraiment ne pas être gêné par les pattes. Et du coup je me suis amusé aussi à jouer avec les pattes, justement à pas les laisser à l'arrière, mais à les mettre plutôt vers l'avant, comme si elles prenaient... façon un petit peu, ouais, je me rendais pas compte de l'influence, mais façon octopus dans Spider-Man, vous savez, comme si ses pattes avaient leur propre autonomie et accompagnaient le personnage. Je trouvais ça intéressant comme posing, on le voit pas vraiment comme ça, c'est pas spécialement fidèle à l'animé, mais ça donne du dynamisme. Et du coup, je me disais que c'était intéressant de l'exposer comme ça. En tout cas, au moins de vous le proposer ainsi. Je vous montre un peu en zoomant. Vous voyez le mouvement que ça donne ? Moi, je trouve ça pas mal. Voilà pour cette deuxième pause. Allez, on va passer à un petit comparatif, juste comme ça pour le fun, entre Death Mask SOG EX et Death Mask Surpli EX. A tout de suite les amis. Voilà les amis, on se retrouve avec donc une petite mise côte à côte avec Death Mask EX Surpli. J'ai changé la pose, je vous ai fait la pose que j'ai appelée la pose Braise Luffy, puisque c'est tout simplement la pose qu'il donnait à son Death Mask Great Toys dans sa vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc j'ai refait parce que j'avais adoré cette pose et je la trouve magnifique. Alors voilà, bon, c'est l'idée, je vous ai pas fait une évolution de l'armure puisque j'ai pas mis la version gold avec, puisque comme je vous ai expliqué, c'est difficile pour moi de la retirer. C'était vraiment histoire de les mettre côte à côte, d'avoir deux alternatives de Death Mask. J'aime de plus en plus cette figurine, je la trouve vraiment très belle finalement, et très agréable à manipuler, je suis bien content de l'avoir. Elle est pleine de possibilités en fait. Le jeu avec les pattes est vraiment agréable et laisse libre cours à beaucoup de possibilités, donc c'est vraiment sympa. Hein. On monte comme ça, bon lui vous le connaissez, hein, vous l'avez vu et revu, il a vu sa review. Et vous voyez le casque, en fait... ils ont lissé vraiment, vous voyez, les pattes, elles sont à côté écrasées, en fait, comme si le casque avait été fondu, avec les pattes qui partent comme ça sur le côté, qui suivent le mouvement des cheveux. Et moi, j'aime mieux le casque classique du cancer, comme ça. Et vous voyez, au niveau des yeux, quand même, ça me permet de le montrer, parce que ce visage reprenait quasiment celui du Gold X. La queue. Vous voyez, les yeux sont un peu plus grands, un peu plus profonds, et un peu plus jolis. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire en fait. Si ce n'est que c'était pour faire un contraste, hein, le surpli et le doré. Voilà les amis, et ben on va passer à la pose finale sur Diorama et le bilan de la figurine. A tout de suite. Et voilà les amis, on se retrouve avec la pose finale pour Death Mask SOG EX Bandai. Donc, comme à l'accoutumée, moi je mets mes SOG avec le visage aux yeux fermés souriant pour donner un petit côté noble et un caractère un petit peu éternel. Voilà, je lui ai fait une pose un petit peu à la James Bond, hein, si on peut dire, donc avec voilà, la main qui repose sur l'autre qui est le long du corps et puis avec le doigt tendu. Ça lui donne un petit côté solennel que j'aime bien. Et je trouve vraiment très beau, avec les jambes écartées. Posé donc sur le décor, maintenant c'est devenu une habitude, je pense que vous commencez à l'avoir intégré, donc le décor de Nikki Dell, Nikki Diorama. À nouveau, je vous fais apparaître les liens pour sa page Facebook et pour sa page YouTube.
N'hésitez pas à le contacter si vous voulez qu'il vous confectionne un décor qui sera sans doute aussi beau, sinon plus, que celui sur lequel je vous présente la figurine. Je vous la montre de près, profitons-en. Écoutez, hein, je suis ma foi très content de cette figurine. Ouais, je suis... J'en suis très satisfait. Au final, c'était un de ceux que je ne voulais pas. Et ouais, je suis très content. Parce que, bah, en l'ayant en main, et bah, il est très agréable à manipuler. Et il est très beau. Voilà, je trouve finalement très beau. Je me suis fait à ce design. J'aime beaucoup les jeux qu'on peut donner avec les pattes de crabe. On peut les orienter un peu dans tous les sens et ça permet de varier les posings. Et je suis très content, très enthousiaste vis-à-vis de cette figurine finalement, qui en plus se trouve vraiment pour peu cher, hein, je vous dis moins de 70€, on peut la trouver très facilement, donc ouais, je vous la recommande. Alors les points forts de cette figurine, eh bien écoutez, bon là, elle est très jolie, si tant est bien entendu que on aime le design SOG. Elle n'est pas trop chère pour une SOG. Elle a le gros avantage de proposer des visages améliorés pour Deathmask et elle va donc vous permettre d'avoir à la fois des beaux visages pour votre version SOG mais aussi de très beaux visages pour votre version Gold EX, voire Gold Surpli. Vous pourrez les adapter dans toutes les configurations. C'est les plus beaux visages disponibles sur le marché pour Deathmask, donc ça c'est vraiment un gros point positif, ce level up au niveau du visage. L'armure est très belle, très bien conçue, il n'y a aucune difficulté pour faire tenir l'armure, tout tient très bien. Au niveau des points négatifs, c'est au niveau du corps du personnage, donc on a les bras. Les articulations des épaules sont un peu souples, un peu trop. Je pense pas que cet exemplaire soit un cas isolé, j'avais cru comprendre que d'autres avaient ce problème, donc ça c'est un peu dommage. Bon, au niveau des jambes par contre, il n'y a pas de problème, donc ça reste l'essentiel, mais voilà, un peu de souplesse au niveau des épaules du corps de la figurine. Et on pourrait déplorer aussi la pièce plastique à l'arrière du dos qui n'est pas des plus jolies et qui est en plastique. Les éléments sont en plastique alors qu'ils auraient pu être conçus en métal comme la marque Great Toys l'a montré avec sa version. Voilà pour le bilan de cette figurine, donc un bilan quand même extrêmement positif. Je suis content de la posséder et elle va aller rejoindre ses compagnons en vitrine. Pour ma part, je vous dis donc à très bientôt pour le dernier épisode de la saison 2, qui sera Seiya de Pégase V4 en version EX par Great Toys et en version Recolo. Voilà, Marc Chervin va me prêter cette figurine et je vais vous la présenter. D'ici à ce qu'on se retrouve pour cette vidéo, je vous invite bien entendu à commenter et à me dire ce que vous avez pensé de celle-ci, ce que vous pensez de cette figurine. Enfin bref, n'hésitez pas à me laisser des commentaires les plus longs que vous ayez l'habitude de faire, c'est toujours un plaisir pour moi de les lire. D'ici là les amis, à bientôt, passez une bonne journée, collectionnez bien, salut salut !